Bonjour à tous les amis et bienvenue pour ce nouveau tirage sur ma chaîne intitulé Présent, Passé, Futur. J'espère que vous allez tous bien les lions, signe solaire ou ascendant lion ou lune en lion. Pour effectuer le tirage, on va prendre un tarot qui s'appelle Fairy Tale Tarot Deck et un oracle, l'oracle de l'énergie. En quoi consiste ce tirage ? Nous allons partir d'une situation passée que vous avez vécue, on va la ramener au présent, on va analyser, interpréter ce qui se passe, les conséquences, et ensuite on regardera l'évolution possible de cette situation dans l'avenir. Les lions, je vous rappelle que la guidance est générale, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Une opportunité à saisir pour vous les lions. C'est ce qu'on me dit ici avec cette carte qui a sauté. Alors, situation passée, que s'est-il passé pour vous les lions? Trois cartes. Ok. Au présent, que se passe-t-il par rapport à cette situation? Et dans l'avenir, que pourrait-il se passer? On y va, on regarde le passé. Cavalier de denier. L'étoile. Le 7 de bâton. Vous avez mis en place un projet, les lions, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Vous vous êtes battu pour ce projet. Ici, on voit des actions modérées, tempérées. Vous avez commencé quelque chose de manière douce, doucement mais sûrement, avec le cavalier de denier. Vous vouliez stabiliser financièrement cette situation ou ce projet. Dans ce projet, vous vous sentiez à votre juste place. Vous faisiez les choses de manière naturelle quand même, tranquillement, mais sûrement, mais de manière authentique, bienveillante. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Vous avez lutté pour mettre en place quand même ce projet. Quand je dis lutter, c'est que vous vouliez qu'il perdure, qu'il soit stable et dans la longueur. Vous avez fait des efforts constants, voilà. C'est plutôt ça, le message. On va prendre l'oracle. Communauté. Vous avez créé une communauté, alors peut-être sur les réseaux sociaux, ou bien vous avez rejoint une société, une entreprise, ou alors vous avez créé votre propre entreprise. Voilà, on sent que vous êtes mis en lien avec des personnes de même affinité. Alors peut-être que vous avez aussi créé un partenariat avec deux ou trois personnes. Voilà, ça dépendra de chaque lion. On peut me parler aussi de projet de famille. Hein. Si ça ne vous parle pas par rapport à une activité professionnelle, vous avez mis en place quelque chose concernant votre famille. Un projet d'ordre matériel, financier. Au présent. 8 de coupe. 6 de coupe, le fou. Alors les lions, il y a de la nouveauté quand même dans ce projet ou dans cette situation au présent. Alors, vous allez quitter ou vous éloigner d'une situation qui vous a déçu. Elle est liée au passé, donc on l'a expliqué ici. Et vous allez repartir à zéro ou démarrer quelque chose de nouveau. Alors, vous pourriez très bien continuer votre projet, mais vous pourriez le voir différemment. Exercer ou pratiquer cette activité de manière différente. On sent que vous allez revisiter votre manière de faire par rapport au projet. Donc, en effet, il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné à 100%, mais donc vous allez vous en éloigner
et vous allez commencer d'autres choses. Accueillir la nouveauté, sortir de votre zone de confort aussi, peut-être les lions. Vous n'étiez peut-être pas assez visible dans votre projet. Indécision. Vous êtes au pied du mur, les lions, là. Il y a quelque chose à changer au présent dans votre projet pour qu'il soit encore plus constructif. Voilà, vous avez une décision à prendre, celle de la nouveauté, de sortir de votre zone de confort, de mettre le pied dans quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas d'avance les résultats, peu importe, on vous demande d'y aller quand même. Dans le futur, le 5 d'épée, l'impératrice, et le 6 de bâton. Vous allez résoudre un conflit ici, les lions. Alors c'est peut-être un conflit avec vous-même. Hein. Vous bataillez avec vous-même par rapport à cette situation ou ce projet. Vous allez résoudre hein, ce conflit et vous allez créer. Vous avez la réussite hein, sur votre projet, sur cette situation. Alors vous allez régler des problèmes de communication, soit au sein de cette communauté, au sein de la famille, soit avec une personne plus particulièrement. On sent que là, vous dites ce que vous avez sur le cœur et vous allez créer. Et peu importe hein, ce que pensent les autres. Voilà. De toute façon, vous avez la réussite sur le projet. Donc, allez-y. On va prendre une autre carte de l'oracle de l'énergie pour finir. Porte vers l'amour. Bah, c'est super. En fait, ici, là, vous avez une véritable ouverture. On vous promet dans l'avenir une belle opportunité, une ouverture vers l'amour. Le fait d'ouvrir son cœur aussi par rapport à votre projet, par rapport à cette situation ou au niveau relationnel en fait. Ouvrir le champ des possibles. On me parle quand même d'un nouveau départ pour les lions qui est davantage basé sur l'amour, la bienveillance. On peut hein, me parler de rencontres aussi, de nouveaux collaborateurs ou d'une rencontre amoureuse, de nouveaux commencements en couple, hein, si vous êtes déjà en couple, on me parle quand même de s'associer avec une personne affectivement, amoureusement et professionnellement. En tout cas, avoir des projets très constructifs et on me parle vraiment d'une relation ou de liens puissants et sincères avec vos collaborateurs ou une personne en particulier. Donc, votre tirage est vraiment de bon augure par rapport à l'avenir, puisqu'on est parti sur quelque chose quand même qui est constructif, mais il a fallu se battre. Ensuite, des choses à changer, peut-être un nouveau commencement, prendre cette décision. Et puis le fait de régler des problèmes de communication à l'avenir, on sent ici beaucoup de créativité à deux ou avec plusieurs personnes, et vous avez la réussite et vraiment une des ouvertures vers des choses qui vous conviennent. Voilà, mes chers amis lions. Par rapport à votre tirage passé, présent, futur. En tout cas, j'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a rassuré aussi par rapport à votre projet. Merci de votre fidélité, merci pour votre écoute et merci par avance pour tous vos commentaires sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve bientôt pour de prochains tirages. Bye bye. Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye !